sinon on va essayer de tenter de shoot rapide. Oh là là là, magnifique. Les deux en plein cœur. Chérie, j'ai cru voir un truc. Ouais. Mon flanc là-bas. Oh, ils sont mélaniques ou quoi? Ils sont noirs. C'est con qu'ils aient pas fait un appo. Un bestiole comme ça. On va les laisser. De toute façon, on a eu ce qu'on voulait. Donc maintenant on se casse, à moins que ils veulent maintenant un mouflon. Prélever 3 hommes, prélever un sanglier d'or. Ok, ça veut prélever un sanglier d'argent. Prenez une photo de la loge. De toute façon, on va falloir qu'on se mette au sanglier, mais pour ça, il va falloir. Une photo de la loge. Quelle loge? Une photo de la loge. Prélever un sanglier d'argent. Ok. Ah, c'est parfait. On va pouvoir faire la mission pour débloquer ça. J'ai entendu du sanglier mal là-bas qui gueulait. On devrait le voir, ou sinon il est derrière la butte. Débloquer ça, de toute façon il y a une baraque à côté, ça c'est sûr, comme je l'ai déjà dit. Voilà, c'était sûr. Non, même deux. Pardon. Tac.
juste là. Il est juste là. Maintenant. C'était un mal que j'avais entendu moi. Fais attention. Bon, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, insignifiant, ça doit être le mal. Voilà. Tac tac tac. Ça. Alors je sais plus s'ils veulent que je l'empaille ou pas. Donc celle-là non. Tac. Prélever juste un sanglier d'or, d'accord. Pas besoin de l'empailler. Je devrais l'avoir en or puisque. Ah, mais il m'en faut un argent aussi. Ok, bon. Tac. Ok. Ah, bah, prélever un sanglier d'argent. Bah oui, si je l'ai fait en or, automatiquement je le fais en argent. On va aller faire son truc et puis on va aller voir s'il y a la salle. Attention au loup parce que là où je vais, il y a pas mal de loups. D'ailleurs, j'ai une mission à faire là-bas aussi. Alors, sa loge. Ça doit être ça. Voilà. Tac. C'est gratuit, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me dire maintenant? Attends, c'est tant qu'à faire. Bon, ça, faudra aller le faire de nuit. Je devrais un chevreuil d'argent. On va aller voir ça. Tac. Alors il faut se rendre ici. Oh là. On va aller par là. Je vais juste aller discrètement là-bas pour voir s'il n'y a pas du loup. Partout là on devrait avoir du cerf et là bon, plus dans le fond c'est plus on va se rapprocher de là plus il y aura du loup. Je vais voir s'il y a une réponse. Ça, j'ai une mission à faire ici, il faut que je trouve un point de passage de loup. J'ai toujours pas trouvé. Le problème c'est qu'une fois qu'ils m'ont vu, après ils se posent plus, ils font tout le tour du lac. Donc ça serait cool si j'envoyais dormir.
c'est lent, mais bon, il n'y a pas le choix. Avec un peu de chance. Je risque d'en voir. Il faut que j'en voie allongé. Parce qu'il pop ici. En fait, il spawn tout le temps ici. Du coup, j'essaie de remonter leurs traces. Et à chaque fois que je remonte leurs traces, je tombe sur la toute dernière. Et tu sais, je les remonte à l'envers, les traces. Et en fait, quand je remonte la dernière trace, à chaque fois, ça finit par ici. Tu vois, je suis venu par là. Et en fait, ils spawnent par là. Et après, ils descendent. Donc, bah, si The Hunter voit ça, dépêchez-vous d'aller chasser le loup ici parce qu'il risque de changer les spawns. Ah, sa gueule. Normalement, il y en a toujours là. Ils descendent de par là. Là. Je sais pas ce qu'ils. Ils sont vraiment à côté. Là. Il faudra que j'aille voir ça parce que... Donc là, j'ai dû avancer trop doucement parce que je les ai pas alertés. Normalement, je te dis, c'est obligé, il y en a toujours ici. Je me demande si c'est pas eux qui sont partis se poser là-bas. Tiens, regarde. Sûrement pas, hein. Ils sont tout le temps là. Tout le temps. Ouais, je vais aller voir là-bas, côté sud, parce que... Ça hurle vachement très très près. Qui devait être posé. Ce serait cool que je les découvre. Posé, parce que... Je mens pas, hein. Là, ici il y a tout le temps du loup. Ah, mais ils sont là en plus. Putain, je les avais pas vus. Voilà, au moins je les ai trouvés. Normalement, j'ai dû débloquer la zone de passage. Même pas. Mais c'est quoi une zone de passage en fait? Qu'est-ce qu'ils appellent une zone de passage? C'est là où il picole, où il mange, je sais pas. Ça, j'ai repéré quand même la zone. Ils dorment. Zone de passage. Bah oui, c'est ça. Ah, mais j'avais pas activé la mission. Oh, chier. Ça, je les avais pas vus. Toujours, toujours ici. Ici, il y a toujours du loup. Là, je vais leur tirer dessus. À la 30-06, ils vont partir ou sinon ils vont m'attaquer. Moi, je me pose toujours sur ce petit rocher. Bah, pourtant, c'est bien une zone de passage hein, et ça m'a pas déverrouillé la mission. T'es pas forcément obligé de d'activer l'émission pour que ça fonctionne. Et ça se trouve c'est eux en fait qui étaient en train de hurler. Et ça me disait que le son était, il venait de là, mais ça se trouve c'était eux. Ah, il est pas précis le son, je pense. Après il y en a peut-être d'autres derrière moi. C'est pas grave, de toute façon cette mission un jour je la finirai, ça je sais où il y a du loup à chaque fois, donc juste que j'ouvre les yeux. De toute façon là ça va swinguer là. Alors soit ils vont rester comme ça, il est mort,
ils vont venir en fait. Ils vont pas remonter là-haut parce qu'ils savent que c'est bloqué. Enfin, c'est bloqué. C'est la zone de dépop quoi. On ira juste après. Donc j'ai pris des têtes molles. Hein. Ça les l'expansion est balade. Tiens, regarde, il vient de tomber. Hop, j'ai vu sa queue. J'ai pris des balles à tête molle 30-06. D'habitude, je chasse pas avec ça. Tellement d'expansion que là tu vois, regarde, bim, ça sera avec les bons points de polymère, en fait ça lui sort de l'autre côté, donc si tu tires mal là ça rentre et ça explose. Il devrait en rester un ou deux, mais ça doit être une femelle. Elle nous attaquera pas, elle est toute seule. De toute façon, le mâle alpha est mort. Donc, mais ici, tu veux faire un peu de blé, bah. Bon, après, par contre, c'est rose de chez rose. Alors. Tac, gris, voilà. Cher poumon droit. Hop. Faut se méfier quand même. Moi, quand je vais à la chasse au loup, soit je prends la 30-06 comme ça et un 44. Tiens, regarde. Chevreuil, il me faudra un mâle. La femelle, ça rapportera rien, je pense. Ici, il y a tout. Et même si tu regardes bien, des fois là, ici, t'as du mouflon. Ici, t'as loup. Chevreuil, mouton, des fois le sanglier, mais c'est très rare. Lièvre, j'en ai pas vu. Et cérélaf. Ouais, que de l'or, hein, pratiquement. Ah tiens, regarde, elle court là-haut, elle est partie. Je l'ai vu partir. C'est une grise. Ça par contre, c'est du niveau 3, donc il va falloir que je chasse à l'arc. Mais ça c'est pas... c'est con comme animal. Dans le jeu c'est très con. Oh, il y en a un autre là. Pas vu. Si tu mets un coup d'appôt, ils viennent à tes pieds. Et tiens, un autre or. Donc d'ailleurs, on a trouvé un mâle là. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle qui a gueulé. Hein. Fais attention. C'est un mâle. Donc, on va l'appeler. S'ils m'entendent ici, faut regarder parce qu'il y a une femelle qui est pas loin, elle monte là-haut. C'est sûr que monter en bas c'est chaud. Donc, par contre, je vais devoir faire des tirs parfaits. Parce que là, je vais devoir tirer à la 30-06. Ok, il est là. Le moyen m'a entendu. M'a entendu, pardon.
c'est ici là que je vous disais, hop là. Alors, tu vois, je suis redescendu jusque là. Ici la dernière fois, il y avait mouflon ibérique ici. Et je sais plus combien de cérélaf ici là. On va rappeler. Parce que s'il se rapproche plus, bien sûr que c'est plus facile pour moi de les tirer là. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas entendu. J'espère faire gaffe aux difficiles là qui en face, parce que eux ils voient bien. Comme tu le vois, ils sont très craintifs. Ça aurait été une femelle, elle serait déjà là. On va rouler une clope et après il faudra que je donne à bouffer à mes pigeons. Parce que moi aussi j'ai des animaux. Risque hein, parce que il est déjà très vigilant, sinon il serait déjà arrivé, enfin arrivé, il se serait mis au niveau du buisson en face de moi. Ah, il est vigilant. Tu peux le tirer à la... Oh, il y a les deux. Je peux le tirer à l'arc d'ici, mais j'ai peur de le louper. Il faut vraiment que je fasse des tirs vraiment bons pour minimum avoir de l'or, enfin, minimum avoir de l'argent. Quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai de l'argent quand même. Alors, à quoi il ressemble? On va taper le difficile. Alors, ça, c'est un moyen. Ça, c'est un difficile. Le moyen va plus venir facilement que le difficile. Après, sinon, on va essayer de tenter de shoot rapide. Magnifique. Les deux en plein cœur. Voilà. Ça, c'était beau, ça. Chargé d'enregistrer tout de suite parce que j'avais peur de plus avoir de place dans la console. Donc les deux en plein cœur. Qu'il arrive, j'aurai de l'argent. Bah oui, voilà, c'est sûr. Tu vois, là, c'est un difficile argent. Et on va voir si le moyen il rapporte de l'or ou pas. Non, c'est pareil, que de l'argent. Ok. Bon, à quoi qu'il arrive, on aura une au Cérélaf. Donc venez par tout là, là. Ici. Ah, on va faire comme un cercle de d'ici à ici. Voilà, jusque à la délimitation là, démarcation. Quoi qu'il arrive, si vous cherchez du cérélaf, il y en a toujours ici. Il faut juste ouvrir les yeux et les oreilles et faire gaffe parce que ils voient très bien les mâles. Les femelles, elles s'en foutent. Avec un coup d'appau, elles ont qu'une envie, c'est de niquer. Mais les mâles sont très craintifs. Donc, il n'y a plus qu'à trouver le chevreuil et revenir plus tard ici. Pour le loup. On va tenter le chevreuil déjà. Voilà. Ils m'ont vu, mais ils reviennent tout le temps. C'est ce que je disais ici là. Donc ici le loup, le cérélaf, tout ça là, tout ici, c'est... Il y a trois races d'animaux. Quatre. Mouflon ibérique. Mouflon ibérique, voire des fois bouquetin aussi ibérique. Loup. Chevreuil, cérélaf et là pareil. Le loup aussi vient par ici des fois. Les cérélaf aussi. Donc là on va à la chasse au chevreuil mâle. Bon, il va se barrer. Enfin, elle va se barrer parce que je suis arrivé un peu trop vite. Mais je vais quand même tirer les femelles. Parce que ben, je veux un peu d'argent. Comme ça. Ça va être quel arc hein. Par contre. Sauf si je vois un mâle albinos de très loin.
Elle est tombée. Ah. Je crois que je vais faire une pause. Je vais aller mettre le piaf dans la salle de bain parce que là, il va devenir horrible pour mes oreilles. S'il va pas arrêter de gueuler. Hop, on se retrouve. Putain, le temps que je mette l'oiseau en cage là. Oh my god. J'ai serré la fiette. Oh là là. Oh bah tiens, un mal. Voilà. Le pour le prix d'un. Oh putain. Parce que tu peux pas mettre pause. Pourtant. Bon. Comme il n'y a pas eu de coup de feu, de toute façon. Ça va revenir. Bon, il y avait beaucoup de serré la fin. Et bah là, si tu veux faire du blé, je dis tu viens, parce qu'une femelle qui est bien tuée proprement, c'est 1000 à 1002 d'argent, enfin de monnaie si tu préfères, et le mâle c'est très difficile, c'est 1006 buté proprement, avec la munition adéquate, et un organe vital au moins touché. Bon, ça c'est celle de tout à l'heure. Voilà. Hein, faut que je trouve le mâle. J'ai pas vu dans quel sens il est parti. Le serré là après. Je vais essayer de me faire de la monnaie. Par contre, le chevreuil mâle, je sais pas du tout où il est parti. Déjà ça c'est le chevreuil mâle. Ok, je sais que je l'ai touché. D'accord. Ça doit pas être les bonnes traces parce que le chevreuil mâle, c'est sûr et certain que je l'ai touché. Ouais, il est là-bas. Bon. Puis ça brille de l'autre côté, donc il doit y avoir une femelle à côté. Il va pleuvoir ou quoi? Parce que j'ai entendu marcher. Ah. Ok, ils sont là-bas. On va rappeler au cas où que le mal, parce qu'il est pas mort rapidement, donc je sais pas si ça va me donner de l'argent. Je pense que oui. Alors, quand ils sont paniqués comme ça, parce que quand il y a eu des tirs et des morts, il faut plus bouger, parce que là, tu vois, la barre en dessous. Ça me fait un demi-œil. Un demi-rond. Donc bon là, c'est le rond vers le bas, mais il peut me voir quand même. Ah, il a pris juste une chair. Oh bah de toute façon, argent, bah voilà, c'est bon. Voilà, la mission est finie. Le parfait lièvre. Oh putain, ça va être un truc en diamant ça. Ça va être une misère le lièvre. Ça va être une misère. Attends, je regarde l'émission. De toute façon, tout ce qui est lièvre et tout ça, je le ferai, je pense, pas en vidéo. Voilà. Un lièvre avec un score de diamant. Putain, ça va être une misère. Ça va être 22, ça. Obligé. Il va falloir que je trouve un coin à lièvre. Mais bon.
Je ne sais pas où chasser encore. Il va falloir que. Elle sortira pas tout de suite, hein, la vidéo, ça c'est clair. Donc voilà, bon, on a fini. On va s'arrêter là parce que ça va faire une très très longue vidéo avec le bouquetin et tout ça là.